Comment écrivez-vous ça? De gagner pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. C'est pas dans la galère qu'il est temps d'hésiter. Je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casse-coups. Coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve pour cette 484e review de merde dans les conditions du direct. Avec un jeu qui n'était pas merdique du tout, puisqu'il s'agit de Medal of Honor Soleil Levant. Attendez. Je voudrais changer mon nom, donc je vais mettre mon nom de baptême. Merde. Et merde, je vais... Parce que je suis athée, donc j'ai un nom de baptême qui s'appelle Barbie. J'étais baptisé à... Comment on appelle ça? Philosophie des Lumières, là, je sais pas quoi. J'avais pas envie de sauvegarder ça. Donc, j'espère que vous êtes bien installé autour d'un bon verre de vin avec des amis de bonne famille. Voilà, pour passer, j'espère que, et pour permettre, pourquoi de, j'aimerais vous faire revivre des batailles épiques en mode solo. Voilà, donc jour d'infamie. On va voir s'il y a des fautes d'orthographe. Hein. Donc, ça se passe le 7 décembre 41 à 8h15. Alors, pour Kevin, sache que je ne connais pas du tout Medal of Honor, j'y ai jamais joué. Déjà, on parle pas comme ça. Quand il y a la guerre, je sais pas quoi, on dit pas qu'est-ce que vous bougez, vous, bon sang. Merde, c'est en FPS, c'est en. On dit pas ça, il y a des ordres de mission qui c'est. Ok. Attends, j'ai envie de pisser un coup. Bon, il y a une recherche. Oh, c'est pas très dégueu là, le côté l'inox là. Pas vraiment dégueu. Donc on se casse de là. On voit pas trop ce qu'il faut faire. Bon, premier aspect, c'est assez. C'est pas que c'est assez bien foutu les potes, mais c'est que. C'est assez maniable. Hein. Il y a des ambiances, hein, selon les endroits, il y a des sonneries qui partent, qui reviennent. Bon, ça peut aller. Puis donc, je disais, j'espère que vous êtes avec un autour de gens de bonne famille, autour d'un bon verre de vin. Voilà. Appuyez sur sauter, je croyais sur start. Et oui, mais. Ah, mais putain, si on me dit pas quel est le bouton saut. Et bon, allez, on se lève là. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Où elle est, où dans ton cul? Waouh, ça c'est l'explosion. C'est vraiment impressionnant. C'est avec quoi qu'on appuie? Et très bien, on appuie sur quoi? Allez, avance! Je comprends pas où il faut. Quand j'appuie, ça n'envoie pas l'eau. On dit pas remuez-vous, on dit. C'est pas ça, on dit pas remuez-vous, bon sang, c'est. C'est n'importe, ça tient pas de, on dit pas. J'arrive pas à expliquer, on ne dit pas, le chef il dit pas remuez-vous le cul, remuez-vous la derche, c'est pas ça qu'il dit. C'est tout le monde à son poste, j'en sais rien, ils le savent les gens. Ah, c'est n'importe quoi, c'est pas crédible leur truc. Allez, boum.
Allez, on fout le camp, on dit pas ça, on fout le camp. C'est quel est l'ordre de la mission, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi leur truc. Oui, elle est dans ton cul, tu l'as déjà dit, putain, c'est toujours pareil. Allez! Y a pas de jauge là dans ce jeu. Waouh! Bon, on n'y croit pas trop, le feu est très mal fait là. Il est vivant! Je m'en occupe! Ok, tiens, prends ça dans ta gueule. Bon, là, je vais où maintenant? Je suis censé savoir où il faut aller. Oh putain, il faut se repérer dans ce jeu, c'est gonflant. Hein. Ah putain, donne-moi ça, c'est bon, je le fais. On peut pas lui tirer dessus. Ouais, c'est génial. Bon, j'adore les scripts, mais moi, ça m'intéresse pas trop. Il ressemble à Hardy, de l'OL Hardy, ou l'autre, là, le grand, il ressemble. Voilà, il veut que je... Il voulait que... Hein, il me demande, mais bon, il y arrive pas. Ça y est? Bon, il va rester là à vie. Il faut se casser, j'imagine, bon. Hygiaphone. C'est quoi le bouton action? Tiens, oui, parce que j'ai pas la notice de ce foutu jeu, là. C'est quoi le bouton action? Eh oui, mais... C'est quoi le bouton action? Action. Je comprends pas. Chaque fois il me met là. Je vais rester bloqué comme un con. Non, je veux... C'est quoi le truc là? Ah d'accord, on se casse, putain, mais on... Bon, au niveau des éclairages, machin, c'est... Voilà, c'était un script. Alors, c'est pas trop mal fait, hein. On est, je sais pas en quelle année, là. Ouais, j'ai eu 1€ d'envie de grenier, ce jeu, si les gens se demandent. Il est sorti quand? En 2003. C'est vraiment... Ah ben, enfin, on peut tirer. Prends ça, fils de pute. Putain, voilà, c'est bon là. Je... Ouais, voilà, c'est génial là, putain. C'est... On peut pas leur tirer dessus, fait chier. Allez, putain. Oh putain, ils arrivent au dernier moment. On comprend rien. Bon là, j'appuie sur quoi là? Bon, si on regarde les détails, c'est vraiment mal fait. Hein, c'est des polygones à la con. Mais vous voyez, une bonne ambiance. La prestance générale, la réalisation générale est loin d'être dégueu. Hein. Après, moi ça m'intéresse pas du tout, je vois pas du tout l'intérêt là du jeu. C'est une succession de un petit peu de gameplay à 3 francs hein, si on veut. Mais il y a un super babillage avec des cutscenes.
Voilà, c'est juste ça. C'est un jeu qui masque, en fait. J'ai réussi? Donc je suis tombé dans l'eau. Voilà, c'est juste ça. C'est un. Ils ont une idée. On a un gameplay complètement à la con. Il y a peu de choses à faire, mais on le masque avec des séquences cutscenes et des trucs dirigistes. Et ça plaît, hein. Ça fait un bon moment que ça dure. Ça fait 10 ans que ce genre de jeu marche. Après, en tout cas, ça c'est mon analyse. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Oui, il y a Electronic Arts qui a bossé dessus. Voilà, c'était pour Kevin. Et à juste titre, là, en voyant ces images, permet de vous dire que vous pouvez plonger dans l'effroyable réalité de la guerre, plus de 20 armes authentiques de la Seconde Guerre mondiale et un son qui est certifié THX. C'est certifié. On dit pas grouillez-vous du nerf soldat, le soldat on n'a pas les yeux grouillois, c'est comme ça. Faut pas leur dire. Là c'est bien, on a des armes illimitées quoi. Qu'on protège leur assaut ou si on doit tirer sur qui là. Tribord c'est où, à droite ou à gauche, putain. Alors un coup ils parlent comme tout le monde, ils ont bougez-vous le cul, torchez-vous le je sais pas quoi. Et puis là ils te font le langage militaire bâbord tribord, faut suivre hein. On se croirait là dans l'attaque de la planète noire là, de la lune noire, je sais pas quoi. Il parle mais avec tout le bruitage, on n'entend rien du tout. Oui ben putain on voit pas, il n'y a pas de curseur là. Bon déjà cette mission est un petit peu mieux là, c'est mieux fait techniquement. C'était juste, ben ouais mais c'est quoi votre prénom juste? Là c'est un peu le fouillis parce que je vois pas. Oui ben des avions on est. C'est Pearl Harbor hein, c'est pas la fête de l'humain. Hein. Je sais pas si on tire sur le bateau ça fait des dégâts parce qu'il y avait des jeux comme TIE Fighter, je le cite jamais donc je me permets. Quand on tirait sur l'objectif de mission à sauvegarder, et ben en fait on perdait hein, parce qu'il fallait surtout pas tirer. Là j'ai l'impression qu'on peut quand même tirer, c'est que si l'ennemi tire dessus sur l'objectif à défendre que ça craint. Mais si on tire dessus, les friendly fire ne sont pas pris en compte, ça c'est un peu bête. En même temps, ils étaient obligés, vu que c'est tellement le fouillis, il n'y a pas de car. Là, le ciel est assez bien fait, hein, c'est assez bluffant. Mais merde. Bon, c'est une façon de dire que j'ai perdu, c'est bien amené. On veut pas frustrer le joueur. On veut pas le castrer, donc on lui fait croire qu'en fait il a pas perdu, c'est juste un problème mécanique. C'est toujours comme ça avec les. Pareil avec les nanas, quand on n'arrive pas à les satisfaire, c'est juste technique, hein. C'est pas très important. Ah non, ça fait partie du cutscene. Oh my god. Ça c'est les maçons du cœur. Oh my god, ils disent à chaque fois ça, dès qu'on leur montre leur nouvelle maison, oh my god. Et tous, toutes les communautés ils disent ça. Même les mormons, une fois. C'est vraiment ça craint là. Ils avaient fait venir une communauté de mormons et il y avait une chorale de mormons qui avait chanté pour eux. Là, putain, quand on sait que les mormons, ces gens-là, c'est des gens qui vous détruisent quoi, qui sont là que pour piquer votre argent. C'est un truc de taré. Ils avaient quand même chanté pour eux. Ça, comme ça, ils avaient fleuré. Ils avaient senti le bon filon parce que les mormons, ils parlent qu'aux gens qui ont du fric. Ou en tout cas qui savent que c'est des gens tellement faibles d'esprit qu'ils vont dépenser 5000 euros pour acheter n'importe quoi. Et là ils se sont dit légendes de maçons du cœur. On va leur donner, parce qu'à chaque fois on leur donne des sous. Vous voyez, dans ce jeu on peut ne pas être concentré, on arrive tant malgré tout à finir le jeu alors que je suis vraiment pas concentré sur ce que je fais.
J'en ai strictement rien à foutre. Ce truc que j'aimerais arriver à dire dans cette future revue de merde, c'est l'histoire du maçon du cœur, là. Avec les mormons mormoalmeux. Ils se sont dit, vu qu'après, c'est les Américains là-bas, l'école, on leur donne de l'argent après. Ça coûte au moins 200 millions d'euros pour juste que les enfants aillent à la fac. Donc ils savent que les familles qui ont les maçons du cœur qui viennent, après on va leur donner de l'argent. Une somme qui est soi-disant pour les enfants. Et là les mormons, à mon avis, la chorale mormon, elle a senti le bon coup là. Un bon coup à jouer, elle se dit dès que les caméras vont partir, on va aller voir cette famille, on va dire ah, pour la communauté, on vous a aidé, c'est bien pour la communauté des mormons. Si vous voulez vous sentir mieux, ben achetez ce livre à 2000 euros. Ah d'accord. Et avec cette séance, on vous apprend à vous mettre des suppositoires par devant. Ça coûte de 50 000 euros. Terminé. Ben voilà, j'aimerais bien perdre parce que dans ce jeu... Putain, c'est génial, franchement, je me suis éclaté ce jeu. C'est vraiment... Je fais n'importe quoi, je appuie comme un con. Et je passe les missions les doigts dans le nez, mais bon. Je dirais même les doigts dans le néné chéri. Bon, on va faire jamais 203, on va faire une troisième mission. Voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire moi. C'est vraiment un jeu aussi, c'est la culture, c'est ça. Ah là pour une fois on a des munitions limitées. Ah voilà, là on peut enfin avancer. Ouah. Ouais, je peux sauter. Attendez. Putain, on peut pas lui tirer dans la gueule, hein, lui. Là, c'est une musique un peu à la Star Wars, hein. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça marche. Ouais, c'est moi. Non, c'est pas moi, en fait. C'est une blague. Ton frère est mort pendant la guerre. Ah, headshot, c'est fort le mec, il reçoit l'impact du headshot, mais il meurt pas. Et je sais pas à qui c'est qu'il faut tuer là, j'ai rien compris. Attendez, on va refaire. Peut-être que je vais retrouver mon frère. Je dis ça, je dis rien, je vais peut-être retrouver mon frère, attention. Allez. Descendez qui? Et tu descends et pourquoi faire? Allez, José. Il faut tirer sur qui? Je comprends rien. Et on va vous en débarrasser au Karcher. On va vous en débarrasser, ne vous inquiétez pas. Putain, on tire sur qui? Je vois pas. Je comprends pas le projet là. Qui me tire dessus? Je lui rampe. D'accord, je sais même pas sur qui fallait tirer. Ah, sur les Philippins, d'accord, putain. Eh ben putain, mais ils se ressemblent tous. Allez, déjà je sauve ma peau. En plus, il faut que je m'occupe des autres. Est-ce qu'on peut tirer à travers... rentrer dans le car, non? J'ai même pas ce qu'il faut faire moi dans ce jeu. Cette porte s'ouvre pas. Pourquoi avoir fait une porte si elle ne s'ouvre pas? Putain, vas-y. On va s'arrêter là parce que là pour le coup faut savoir un petit peu jouer, ou alors il faut comprendre ce qu'il faut faire. On va se casser parce que moi ça me gonfle.
Sur ce, ciao Pépito pour une prochaine vidéo. À plus mes puces. C'est oui, oui monsieur. Oui, ah oh, oui, là, absolument. Ça, c'est bien.